Christ, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. Je crois que la joie de Jésus-Christ est au milieu de nous. Pourquoi nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Hébreux chapitre 4. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, le verset 6. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur incrédulité ou à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Que le Seigneur bénisse les Écritures que nous venons de lire. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à notre lecture. Nous allons d'abord chanter le cantique de victoire. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'ami comme toi. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'ami comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'effacent depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais
Touche-moi dans ses mains, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'effoncent depuis la porte du ciel. Moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Oh, Seigneur, Seigneur, tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'effoncent depuis la porte du ciel. Moi je ne sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Ces mondes n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Je qui monte des cieux,
Je l'ai tué, véritable la vie éternelle. Et tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle. Lui qui a lavé nos cœurs. Lui qui a purifié nos vies. Lui qui nous a régénérés pour une espérance excellente. Tel qu'est en train de le dire notre chant. Et ce monde ici n'est pas chez moi. Ici sur la terre, je suis un étranger, un passager. Mais chez moi, une autre cité, c'est là-bas dans le ciel. Avec Jésus, j'avais déjà tout arrangé. Et là-bas au ciel, on est en train de m'attendre. Et vraiment, c'est une espérance vivante. Et en ce jour-là, nous chanterons victoire dans les champs. Parce que nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu ce monde. Parce qu'il faut savoir une chose, bien-aimé. Que Jésus-Christ nous a donné la victoire. Il nous a donné le salut par l'œuvre de la croix qu'il avait accomplie. Mais nous attendons encore une autre victoire. Nous attendons encore une autre délivrance. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, il dit bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Le Seigneur avait déjà écrasé Satan sous nos pieds là-bas à la croix. Capable de toucher. Et que c'est comme
toi. C'est pourquoi Paul dit bientôt le Seigneur écrasera Satan sous vos pieds. C'est aujourd'hui le Seigneur ne l'a pas encore fait. Aujourd'hui nous sommes encore dans les combats. Maintenant le jour viendra où tu vaincras. Parce que tu combats dans la victoire. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 12, on a montré les serpents et ses anges précipités. C'est comme maintenant là. Quelqu'un qui est possédé par des mauvais esprits. Lorsque nous délivrons cette personne là par la prière. Lorsque la délivrance se fait au moyen de la parole qui est puissante. C'est comme une précipitation du diable dans la vie de cet homme là. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples d'aller prêcher vers des délivrances. Et lui il est resté. Et allait et tout. Ils ont dit à Jésus que les mauvais esprits nous ont obéis. Jésus leur a dit oui. Vous dites la vérité. Parce que quand vous travaillez là-bas, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Contre nous. Parce que Satan accuse ceux-là qui sont d'abord dans les faiblesses et dans les péchés. C'est pourquoi ce jour-là, on a mis là les souverains sacrificateurs Josué. Là, je suis dans Zacharie chapitre 3. On a présenté ces souverains sacrificateurs devant les trônes de Dieu. Parce que cet homme-là était revêtu de vêtements sales. C'est comme ça que le diable Satan accuse. Lorsque tu as des vêtements sales, lorsque tu es dans les péchés, mais lorsque tu n'es pas dans toutes ces choses-là, il n'y aura rien à ta comme accusation contre toi. Parce que tu es réellement saint. Parce que tu es réellement parfait. Et nous parviendrons à la perfection. Et c'est ce que nous serons au jour de l'enlèvement. Amen. 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 Il faut vraiment te le mettre dans l'esprit. Et c'est bien lui qui est. Lorsque Jésus-Christ se voyait qu'il a fini sa course, il dit le prince de ce monde vient. Et il a dit de lui en moi. C'était le signe de la victoire. Parce que Satan vient réclamer de sa vie. Il
avait vécu une justice parfaite. Et nous aussi, nous parviendrons à la perfection. Nous serons libérés de toutes nos faiblesses. Là, c'est l'œuvre que le Seigneur fait dans la vie des croyants. Là, c'est l'œuvre que le Seigneur fait dans la vie de tout un chacun. Parce qu'il est écrit, j'ai cette espérance-là. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, amen. Amen. C'est pourquoi il faut avoir vraiment cette espérance-là. Espérance au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fait l'œuvre dans tout un chacun de nous. Il ne permettra pas que son nom soit raillé ou subisse des moqueries. Lui-même qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite pour les jours du Seigneur. Mais seulement il faut te remettre à lui à tout moment. Il faut toujours désirer écouter la parole de Dieu. C'est alors que l'Esprit aussi fera l'œuvre de te transformer à la parole que tu écoutes. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Faites vraiment attention aux instruments. Oh, tiens, vraiment, parce que ces choses sont toujours capricieuses. Faites plus attention à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole du Seigneur n'est pas liée. Nous disons que nous sommes l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur qui a pas parfait de son œuvre. C'est le Seigneur qui nous amènera à la perfection. Parce que Paul dit que les dieux de paix, et les âmes et la guignard, ne puissent sanctifier
la fidélité de Dieu. Quand tu arrives parfois à douter, est-ce que nous parviendrons vraiment à la perfection? Je te dis cela ne dépend pas de toi. Confesser vos péchés les uns
aux autres. Il y a les uns qui viennent confesser. Il y a les autres qui reçoivent les confessions du Seigneur. On n'a pas dit confesser les uns les autres. On dit les uns aux autres. Non, ceux qui viennent confesser. Les uns aux autres. Ceux qui reçoivent les confessions des gens, ce sont les ministres de la parole. Ce sont les serviteurs de Dieu. Les fidèles viennent confesser chez eux. Et c'est comme ça que ça se faisait dans les sacerdoces. On confesse même les péchés les plus graves à la manière des hommes. Je dis même si tu es sorcier. Tu n'entreras pas au ciel avec la sorcellerie. Tu vas confesser que je suis sorcier. Et puis on va prier pour toi, la sorcellerie va fuir. Parce que tu as déjà dévoilé que tu es sorcier. Et cet esprit là va perdre la force. Parce que la confession c'est une puissance. Je ne veux pas dire au frère qui veut la marier en frère avec d'abord. Il faut se faire.
Je dis de notre enseignement, c'est sur l'effort d'entrer dans le royaume.
dans les royaumes. Il faut avoir la foi. On a continué encore. On dit efforçons-nous d'entrer dans les repos. Puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Aujourd'hui, on va faire une petite récapitulation de notre enseignement. Et puis nous allons toucher à tout terminer. On nous parle de la foi qui nous fait directement entrer dans les repos. Mais on nous parle encore des efforts à fournir par la foi pour entrer dans les repos. Si vous vous souvenez de l'enseignement qu'on a prêché, on avait pris cet exemple-là dans l'homme. Avec Josué et Caleb. Concernant l'héritage d'Israël qu'il devait posséder. Parce que le repos c'est la terre de Canaan. C'est le pays d'Israël qui était la promesse de Dieu. Que le peuple devait posséder. Et le peuple devait prendre comme héritage. Dans les pays, il y avait aussi des nations qui occupaient cette terre. Les fils d'Anak. Les fils d'Anak qui étaient des gens qui étaient jeunes. Et que étaient très forts. Ils possédaient aussi le pays. On avait lu l'écriture de Josué, je crois, chapitre 11. On dit ceci. On dit Josué a marché contre les fils d'Anak. Et que Josué a il a exterminé tous les fils d'Anak dans les pays et les montagnes qu'ils occupaient. On dit Josué les a exterminés. Lorsque Josué les a exterminés, Dieu nous parlait encore de Caleb. Et Caleb, lorsqu'il a voulu prendre l'héritage, il a trouvé les mêmes fils d'Anak que Josué avait exterminés. Alors on s'était posé la question. Est-ce que Josué les avait vraiment exterminés? Alors quel veut dire ce mouvement-là? On nous parle d'exterminer. Pourquoi encore Caleb veut dire combattre les mêmes gens que Josué avait exterminés? Là, on vient maintenant pour expliquer cette réalité en Jésus-Christ. Le véritable Josué. J'ai dit le véritable Josué. C'est Jésus-Christ. Celui qui a vaincu à la croix. Il a exterminé vraiment. Il a exterminé tous les ennemis. Et il a dit tout est accompli. Parce que quand on extermine, c'est fini. C'est fini, frère. Mais pourquoi encore Caleb est venu combattre ces mêmes personnes-là? Caleb, c'est l'image de l'église de Dieu. L'église aussi va entrer dans les mêmes
Jésus. Allemand, c'est le même maintenant. Parce que Josué a été le signe de Jésus-Christ. C'est lui qui avait vaincu. Et nous avons aussi vaincu en lui. Mais aujourd'hui, il y a la marche qu'on doit faire. Mais dans cette marche-là, on doit encore combattre. Les mêmes personnes que Josué avait combattu. C'est pourquoi on a venu encore Hébreux chapitre 12. Ayez les regards fixés sur Jésus-Christ. Lui qui est le chef de notre foi. Qui est le consommateur aussi de notre foi. Lui qui avait vécu les souffrances. Et après, il a possédé la gloire de Dieu. Avec nous aussi, nous allons faire les mêmes chemins. Donc, pour posséder la victoire, pour posséder les trônes. C'est pourquoi on dit l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai le trône. Je ne savais pas qu'on allait
Il prend ses serviteurs. Il dit alors, alors il dit ok.
c'était pas la foi catholique. La foi catholique nous est une espérance trompeuse. Et c'est aussi une histoire à vérifier. Et mais nous parlons de la foi qui vient par la vérité. Tu veux poser une référence. Et c'est bien dans la paix, à qui ça? C'est par la foi que frère Michel marcha avec Dieu. Maintenant il a enduré ça. Mais il reste ferme jusqu'à la fin. Même s'il est parti sans rien recevoir. Promesse de la terre comme ça. Il a si vous lisez même les deux chapitres, le verset 39. On a dit il y a encore d'autres gens que Dieu avait fait la promesse. Alors, pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Parce que là, vous voyez plus la cité qui est céleste. C'est ça la foi des saints. Même quand tu es timide. Quand tu dis vraiment, je ne vais pas tricher. C'est ce qui est intelligent. Tu regardes les feux scolaires pour 100 000 $. Tu dis, mais moi, je ne triche pas. Il faut que je puisse manquer de la parce qu'en fait, la paix comme ça vient. C'est difficile. Mais tu le fais à cause de la foi. Si tu ne vois pas la main de la paix, je sais que ce n'est pas la réponse de cette question. Et c'est pourquoi elle avait fait tout le monde.
C'est pourquoi
un homme de valeur. Quand il s'agit de sa femme, elle a fait même devant sa propre famille. C'est ça la Bible fait. Ce n'est pas dire féminin. C'est ce qu'on entend partout. Alors il est féminin. Il ne veut pas condamner sa femme. Alors, c'est toi qui ne comprends pas les choses. Ça ne se passe pas comme ça. Donc prends le temps de lire les Écritures. Tu verras que même Dieu agit comme ton frère agit. Tu périras avec les rebelles.
J'avais essayé de parler du film Ramazi. J'avais dit qu'en notre temps, mais la maison des Rahab était comme la maison de la femme vertueuse. Non, la maison de la femme vertueuse. Parce que la maison de la femme vertueuse. Suivez-moi attentivement. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Amen. La maison de la femme vertueuse. Cette maison-là est revêtue des grands moisis. C'est pourquoi la maison n'a pas peur de la neige. Cette maison n'a pas peur de l'hiver. On s'était posé la question. Donc, pour échapper à l'hiver, il faut revêtir la maison des cramoisiers. Pour nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, qui vivent les quatre saisons avant les cramoisiers dans la maison à l'hiver. Là, c'est le langage de la Bible, frère. Parce que les Kramoisi parlent de la justification. Parce que Jésus-Christ, c'est tout, frère. Il est tout. En tous. Il est l'ombre. Il est le vêtement. Il est la porte. Il est la maison. Il est tout. Mais chaque chose qui est Jésus a une signification. Quand on parle de Jésus comme cramoisi, là on parle de la justification. C'est pourquoi pour que Rahab ne puisse pas périr avec les rebelles, on devait attacher le fil cramoisi à la fenêtre des hommes. Et la maison de la femme aussi vertueuse. Elle n'a pas peur. Moi, si elle me salue, madame. La maison de la femme vertueuse. Ah, pour qu'elle n'aille pas peur. L'hiver. La neige divine. Elle doit être revêtue de cramoisis. Je vous explique seulement. La neige est l'hiver. C'est seulement le jugement du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? La neige est l'hiver. C'est seulement le jugement de la terre. Et pour s'en échapper, tu dois avoir les cramoisis. Pour revêtir les cramoisis. C'est la même chose, frère. Un jour, on en parlera. Mais là, aujourd'hui, cette cramoisis, c'est aussi la parole. C'est l'enseignement. C'est comme le sang de l'agneau qu'on met sur les lindeaux et les poteaux. Lorsque l'exterminateur passe, j'ai voulu faire. Il ne regarde pas le sang dans les bassins. Il ne regarde pas le sang dans les bassins. Mais il regarde seulement si vous avez pris le sang du bassin et que vous l'avez mis dans les lindeaux. Dans l'église.
Israël. Il va tuer là. Il y aura les deuils dans votre maison. Un homme de Dieu très timide.
pasteur. La douceur, c'est autre chose avec la défense de l'évangile. Les anciens qui
les réponds. J'ai dit frère, quitte la publicité. Parce qu'il ne m'écoute pas. J'ai pas deux ou trois témoins avec lui. Épargner les serviteurs. Après, on va les reprocher. S'il n'écoute pas, alors on le fera passer ici. L'une des manières de ne pas écouter les frères. Si tu as dit oui, je vais laisser. Ou je laisse que Dieu me pardonne. Mais il n'est pas encore. Donc là, on n'a pas mis la procédure de venir encore. Non. On avance. On dira que les frères n'écoutent pas. Il est récidiviste. Maintenant, on viendra te mettre ici devant les gens. Frère est tel. Frère Florent. Florent. Oui, non, parce qu'on a dit ça à l'église. Parce que j'avais entendu quelqu'un qui dit qu'on dit ça à l'église. C'est pas que les ministres. C'est pas ça, frère. Dis ça à l'église, même les mamans doivent écouter ça. Vous voyez ces frères. Nous l'avons interdit la publicité. Qui n'écoute pas. Le frère Michel l'a repris, mais il n'écoute pas. Le frère Michel. L'a repris, il n'écoute pas. Le frère Michel a pris les autres frères avec lui. Le frère Michel a dit tout le monde. Pour les répondre, il ne les a plus encore écoutés. Alors nous l'amenons à vous, chez vous. Afin que vous puissiez aussi les conseiller. Parce qu'il vit dans l'impudicité. Il vit dans le concubinage. Il prend toujours de la pierre dans l'ivrognerie. Il est toujours dans l'impudicité. Dans le colportage. Donc son lit. Donc tu es en train de diviser les frères. On va raconter tout ta méconduite ici devant. Et puis il va éprouver de la honte. Vous voyez seulement avec ça. Si c'est mon frère, il est gagné. C'est pas la honte là. C'est l'état que c'est ce que Dieu fait pour aussi les gagner. Mais s'il avait déjà la lèpre, là il devient sensible. Il va encore reprendre les forfaits pour lesquels on avait expliqué. Là encore, on reviendra prochainement. C'est pour dire que nous les livrons entre les mains de Satan. Et dans la parfois nous procédons mal avec les cas. Parfois on n'a pas le souci de gagner les frères. On peut seulement frapper le spectacle là pour voir qu'on a blâmé. Même si j'ai jeté quelqu'un à Satan, ce n'est pas une gloire. Non, l'objectif c'est de les gagner. Les gagner. L'objectif c'est les gagner. Là-bas, il n'a plus parlé du sang. Mais il a parlé
dans les portes et dans les linteaux. Les signes que nous obéissons à l'œuvre là. Et c'est ça, Rahab. On a dit que la muraille, c'est le monde. Mais la maison de Rahab, c'est comme l'église de Dieu. Qui est dans le monde, mais qui est justifié. Mais lorsque le jugement du monde viendra, la maison là ne sera pas atteinte. Parce que c'était une maison qui avait reçu les espions et une maison qui avait avec elle les filles cramoisies. Et c'est ça que nous sommes. Avec les signes de la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Amen. À combattre pour la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes.